Des transports, Loïc Mudouma Dinga a convoqué une réunion d'urgence cette semaine. Le membre du gouvernement, face au laxisme observé dans le secteur des transports en commun, veut mettre de l'ordre et un terme à l'anarchie qui règne dans la délivrance des documents de transport et de visite technique. Bélin Bekita. Auditorium de l'immeuble Larambo, Dieudonné Loïc Dinga Mudouma, ministre des Transports, réunit d'urgence les différents acteurs œuvrant dans ce secteur. Objectif, tirer la sonnette d'alarme face à la recrudescence des accidents de la circulation qui endeuillent de nombreuses familles. La typologie des accidents, on comprend très bien qu'il y a, c'est vrai, il y a la différence humaine, mais la différence mécanique, elle est surtout là. On a eu beaucoup de camions transporteurs de sable qui arborent vaillamment une visite technique. Et quand on voit l'état des véhicules, on se demande comment ils ont fait pour avoir une visite technique. Il était urgent qu'on marque un stop pour parler un peu de ce qui se passe au niveau du transport routier. Directeur des entités sous tutelle, opérateur dont la délivrance des permis de conduire, des visites techniques comme les vendeurs d'extincteurs et autres syndicats et moniteurs d'auto-école, tous ont été invités à une prise de conscience collective. Vous gérez des vies humaines, vous transportez des vies humaines et nous mettons en danger des vies d'autrui quand nous ne faisons pas des efforts. Alors, on va assister crescendo à un désastre de la vie humaine. Nous allons mettre en place des audits, ceux qui n'ont pas, on va fermer. On va mettre en place des appels d'offres, que d'autres viennent avec des meilleures mécaniques. C'est comme ça que nous allons avancer. Cette communication aux allures de sensibilisation laisse le temps aux uns et aux autres de se conformer à la loi avant des mesures coercitives.